On prend le contrôle du démon Gorgon géant, non? Et oh, je suis ton serviteur. Enfin, je suis ton roi. Hey Hugo. Ouais. Du coup, t'es chaud pour aller récupérer la couronne du monde à l'envers? Tu sais, pour devenir le roi des démons Gorgons. Ouais, je peux devenir le roi du démon Gorgon. Je veux devenir. Non, 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 ça sera pas toi, ça sera pas toi, ça sera moi. Parce que c'est quand même très dangereux, une couronne. Non, 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 t'es fou. T'es encore trop petit. Tu peux devenir uniquement un prince, toi. Tu peux pas devenir roi. Moi, une fois, je peux la porter rien qu'une fois. Je suis désolé, mais tu pourras vraiment pas, Hugo. Ce sera uniquement moi. Je suis désolé. Bon, du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va y aller dans le monde à l'enfer. Mais avant, on va, tu sais, on va récupérer, tu sais, quelques petites précautions. Du coup, faudrait que t'ailles récupérer quelques petites armures dans le laboratoire. Tu peux aller faire ça, Hugo, s'il te plaît? J'y vais. T'auras les plus nuls germes, mais moi j'aurai les meilleurs, voilà. Ouais, bon, vas-y si tu veux. Va récupérer tout, ça sera toujours au cas où. Du coup, les amis, en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications. Comme ça, on fonce tout droit vers les 200 000 abonnés. Je voudrais atteindre cet objectif avant fin juillet, du coup. Abonnez-vous dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker la vidéo si la vidéo vous plaît. Et à cliquer sur le bouton rejoindre pour avoir une dédicace dans la prochaine vidéo. Voilà, du coup les amis, pour avoir une dédicace, c'est très simple, vous avez tout simplement à cliquer sur le bouton rejoindre, ou sinon à cliquer sur le lien qui sera en description, ça sera le premier lien, et voilà. Bon, du coup, Hugo, t'es allé récupérer les armures? Attends, je t'ai pioché une armure, un casque. Ouais, justement, bah ouais, c'est ce qu'il nous faut, tu sais, au cas où on se fera attaquer, bah faudrait vraiment qu'on réplique et tout, tu vois. Hop. Toi, t'as chat. Vas-y, un petit revolver, le petit space 12, ok, super. Ouais, c'est bon, tu m'as ramené toutes les armes du monde ou quoi? Et moi j'ai chat, regarde. Waouh! Par contre, tire pas à l'intérieur de la maison, fais attention, tu peux blesser quelqu'un. Vas-y, viens. Bon, du coup, les amis, on a récupéré des armes au cas où on se ferait attaquer et tout. Bon, c'est parti, on va y aller dans le monde à l'envers. Allez, let's go. Par contre, faudrait pas qu'on touche feu, hop. Bon, on vient d'arriver dans le monde à l'envers, alors pour l'instant, je vois Si, y'a quelqu'un, attends, y'a un démon Gorgon. Ouais, y'a un démon Gorgon. Attends. Wow, regarde comment il est grand. Il est moche, il est grand en plus. Ah ouais, il est très très moche, hein, il est super géant. En plus, c'est impressionnant. Hey, le moche. Hey, non, ne l'appelle pas. Hugo, cache-toi. Oh, t'es débile, regarde, maintenant il va s'approcher. Oh, t'es trop débile, je pense qu'il aura entendu un bruit, attends. Faut vraiment qu'on fasse attention. Attends. Vite, viens. On se cache là, derrière la citrouille, cache-toi derrière la citrouille. Vite. Ok, c'est bon, attends, cache-toi, accroupis-toi, vite. Faut pas qu'il nous voie, parce que là, s'il nous voit, il risque de nous bouffer, hein. Voilà, reste bien caché. Oh, reste bien caché, attends, hop, on va passer ce bloc. Attends, faut vraiment qu'on attende qu'il s'éloigne, et comme ça, on rentre dans la maison pour essayer de retrouver cette couronne, tu vois. Bon, attends, on attend qu'il se retourne, ok. Attention, Hugo, cache-toi. Oh, heureusement qu'il nous a pas vu. Cache-toi. On attend qu'il bouge d'ici. Et ensuite, tu sais, on rentre directement à l'intérieur. On fonce tout droit. Ok, t'es prêt à courir, Hugo? Ok. Ouais, regarde, je suis bon là. Ok, attends. Dans. Allez, vas-y maintenant, cours, fonce. Vas-y. Bombarde. Il nous a pas vu? Ok, il nous a pas vu. Ok. Du coup, première étape réussie. On est rentré dans la ville. Oh, y'a quelqu'un là-bas. J'ai vu. Je crois que j'ai vu le Zotinat du monde à l'envers. Oh non, il est ici à l'intérieur de la maison. Bon, du coup, Hugo, faudrait qu'on essaye de retrouver cette couronne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fouiller partout dans la villa, ok? Du coup, on va commencer par. Tu penses qu'on pourrait, qu'on pourrait commencer par où? Par le bas. J'ai sûr, il l'aime dans le bas. Vas-y. Oh, attends. Fais attention, j'ai vu un démon Gorgon juste derrière. Je sais pas s'il nous a vu. Viens. Faut vraiment. Du coup, Hugo, faut vraiment faire très attention. Je pense qu'il y a énormément de démons Gorgon et un Zotinat du monde à l'envers qui est en train de rôder partout dans la maison, tu sais, pour protéger cette couronne. Donc, faut vraiment faire attention. Peut-être qu'il y a des pièges partout, hein. Donc, faut vraiment faire très attention. Ok? Ouais. Et est-ce qu'avec ces lunettes, tu peux voir les rayons laser et tout? Bah, les rayons laser, je sais pas. Non, tire pas, ça fait du bruit, t'es débile. Viens, on bouge le sale. Viens. Ok. J'ai entendu quelqu'un grogner. Ok, bon. C'est ta faute, t'as tué. Mais t'es débile ou quoi? C'est toi qui as tiré, arrête de dire n'importe quoi. Regarde, t'as caché le mur. Mais non, c'est pas moi qui a caché. Wesh, what? Y'a un gros trou, what the fuck? Je crois que c'est le géant de mon Gorgon, il a dû péter ça. Je sais pas. Oh, y'a fait attention. Recule. Y'avait un démon Gorgon juste ici. Il est parti? Il s'est caché juste là. Il est juste là. Ok, il est parti, je crois qu'il est plus là. Attends. Faut vraiment faire attention.
Ok, vas-y, Hugo, viens, on monte. Du coup, on va y aller dans la chambre, tu sais, du faux Zotinan, tu vois. Peut-être, il y a moyen que la couronne, elle soit là-bas. Attends, attention. Fonce pas directement à l'intérieur, Hugo. Faut vraiment que tu fasses, que tu regardes à gauche et à droite avant de rentrer. Ok, là, y'a personne. D'ailleurs, Hugo, d'ailleurs, là... Oh, cache-toi, viens, on va se cacher dans la salle. Ok. On va se cacher dans cette salle. D'ailleurs, justement, on n'a jamais vu la Camille du monde à l'envers. On l'a jamais vu du... Ouais, mais elle doit être hyper flippante. Ouais, elle doit être... Je crois qu'en plus, elle n'existe même pas là. Elle doit être hyper flippante et hyper moche. Elle doit pas exister. Il y a des bons. J'attends juste une aide du monde à l'envers. Je sais pas ce qu'il a dit. Vous avez vu des invités aujourd'hui? Comment ça, des invités? Il parle de nous? Ok, j'ai compris. Oui, je crois. Tu penses qu'ils nous auront marqué? Je pense qu'il y a... Ouais. Oh, mais je pense que c'est toi, là. T'as dû nous faire repérer. T'es débile, Hugo. Fallait pas tirer. J'aime trop être débile. C'est trop bien. On pourrait protéger la couronne. Oh, il parle de la... Attends, il parle de la couronne. Est-ce qu'on pourrait avoir des informations en plus? Non. Non, on n'a pas d'informations. Tu sais, la couronne est au troisième étage. Au troisième étage? Oui. Hugo, t'as entendu? La couronne, elle serait pas ici. Ou peut-être que ce serait un piège. Je sais pas. Non, c'est pas un piège. Allez, go. Attends. Déjà, juste, on va fouiller ici, au cas où. Si ça se trouve, la couronne est peut-être cachée ici. What? Il y a un trou ici aussi. Regarde dans tous les coffres, Hugo. Là, pour l'instant, je vois rien. Ok, là, y a rien. Allez, go. Regarde en dessous du lit. Attends, je regarde en dessous du lit s'il y a pas quelque chose. On va toucher quoi? On va cliquer le lit carrément. Hop, non, y a rien. Alors, toi, t'es vraiment un malade, hein. Je suis en lit, je le jette, regarde. Non, mais Hugo, fais pas ça! Mais oh là là, eh, mais tu es vraiment des ennuis. Hein. Bon, faut vraiment qu'on se barre d'ici parce que je pense que The Tina du monde à l'envers, il va pas tarder à répliquer ici dans sa chambre. Vas-y, viens. Ok, allez, go. Tchou, ok, là. Viens, on bouge. Viens. On va aller voir dans la chambre de Camille. Il y a le démon gorgon. Viens, cache-toi. Ok, il y a un démon gorgon. Tu vois, il est en train de rôder. Faut vraiment faire très attention, hein, Hugo. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a dans les casiers? Je suis trop bête. Mais comment ça, je suis bête? C'est toi l'abruti dans l'histoire. T'es en ouf, c'est toi. C'est à cause de toi qu'ils savent qu'on est là maintenant. C'est louche. Hop. Je sens l'odeur. Oh, il y avait quelqu'un. Hugo, viens. On se cache dans l'armoire. Ça a une odeur de sang, c'est ça. Hugo, vite. Viens. On se cache dans l'armoire, vite, dans le placard. Fonce. On se cache ici. Ok, je pense qu'ils vont rentrer dans la chambre de Camille, les amis. Attends, vas-y, on se cache. Oui, je suis sûr qu'ils sont pas loin. Cache-toi tout au-dessus. Je pense qu'ils vont rentrer dans le placard. Je pense qu'ils ont sorti notre présence. Cache-toi. Ok, accroupis-toi. Mais ils voient tes pieds là. Ah oui, ils voient mes pieds là, c'est bon là? Ouais. Oh, ok, ils sont juste là. Attends, fais pas de bruit. Ok, ils nous ont pas vus. Attends, il y a mon gorgon. Il y a mon gorgon, viens ici. Ok. Oh, on a eu chaud. Tu vas aller au rez-de-chaussée et surveiller la porte pour que personne s'enfuit. Non. Ok. Il y a The Tina du monde à l'envers qui a envoyé le démon Gorgon tout en bas pour pas que les gens s'enfuient. Bon, Hugo, attends. Quand on aura la couronne, de toute façon, on s'en fiche. Ouais, on sera le roi de toute façon. Enfin, je serai le roi. Attends, bouge pas. Attends, je regarde juste s'il est toujours ici. Oui, ils sont partis. Ok, ils sont partis. Eh, hey, mais on l'a échappé belle, hein. Ils sont trop débiles, ils nous ont même pas vus. Ok, allez, go. Mais je suis en opération, on va au troisième étage. Vas-y, troisième étage, je pense que ça doit sûrement être au troisième étage. Attends, viens. Hugo, fonce pas comme ça. Faut vraiment que tu sneak des sneaks. Attends. Et s'il y a personne, viens. Il avait parlé du troisième étage, c'est ça? Ouais. Ok, il y a moyen que la couronne, elle soit dans le troisième étage, attends. On vérifie s'il y a pas quelqu'un ici. Oh, il est là. Reste caché. Reste caché. J'ai peut-être par là, le truc. Ah, mais non, c'est un piège. Elle est par là-bas. Ok, viens, on va aller voir. Viens, on va aller voir. Il est sûrement en train de nous piéger en nous faisant croire qu'elle est là-bas. Bah, peut-être, hein. Attends, fonce pas direct. Il y a un démon gros. Ou pas? Non, il y a rien. Non, il y a rien du tout. Regarde, vérifie bien en dessous des tapis. Parfois, il aurait pu cacher en dessous et tout, tu vois. Non, là, il y a rien du tout. Non, pour l'instant, je vois rien du tout. Par contre, faudrait vraiment faire gaffe à ce que... Ok, il est toujours devant les escaliers. Ok, je crois qu'il est en train de descendre. Bon, vu qu'ici, il n'y a rien du tout, on va essayer d'aller voir où il était, le Zotinan du monde à l'envers. Par contre, Hugo, t'aurais pas un truc à manger, s'il te plaît? Parce que là, je commence à avoir faim. Tiens. Vas-y, merci pour cette viande. Hop. Tiens.
Ouais, c'est bon, t'inquiète, de toute façon, le steak, ça fait vraiment l'affaire. Ah, il y a toujours un peu de chocolat. Ok, ouais, bon, c'est bon. Vas-y, viens, on regarde ici. Regarde en dessous des tapis et tout, s'il y aurait pas quelque chose et tout, tu vois. Non, là, il y a rien. Est-ce que de ce côté, il y aurait... Oh ! Yuko ! Ouais ? Je crois qu'on a trouvé. Faut que je la pète. Attends, je vais la péter. Non, non, tiens, pas sur toi, ça va faire du bruit. Par contre, faudrait qu'on essaie de retrouver la clé. On n'a pas la clé. Oh ! Je pense que c'est... C'est ce Tina du monde à l'envers qui a la clé sur lui. Attends. Ok. Je vais aller le voler. Papa, tu restes ici, je vais aller le voler. Faut attendre qu'il aille se coucher et qu'on aille récupérer les clés en cachette, tu vois. Oh, cache-toi, Hugo. Cache-toi, vite. Oh, attends, cache-toi. Il nous a pas vu. Oh. Moi, je vais aller faire un petit somme. Ok. Tu vas en surveiller en bas. Ok. Je pense que maintenant, il y a que le démon Gorgon qui est en train de rôder. Là, je pense que le Zotina du monde à l'envers, il va aller faire une sieste. Ok, Hugo, c'est le moment d'aller récupérer les clés. Attends. Ok, ils foncent là-bas au fond. Vas-y, viens, on va aller dans sa chambre et on récupère les clés, ok? Non, attends, Hugo, normal. Il a vu que je l'avais pété son lit. Ouais, attends. Attends qu'il se couche et après on rentre. Vas-y, reste bien caché. Là, on est vraiment en mission impossible, les amis. Ok, Hugo, je te laisse rentrer, vu que toi tu fais vraiment de bruit et tu récupères les clés, ok? Ok, alors. Hein. Vas-y, récupère les clés en faisant attention. Ok, je mange les clés. Vas-y, montre-moi. Oh, fonce, il y a des corps qu'on fonce, il nous a vu. Cours, il nous a vu. Fonce. Viens, on. Oh, ils savent qu'on est là, vas-y, ouvre. Hugo, vite. Fonce. Faut qu'on récupère la couronne, vite, ils sont derrière. On détruit vite la couronne, on récupère la couronne. Hop, j'ai la couronne. Ok, je suis le roi. Ok, je suis le roi. Tu vas rien faire, le démon Gorgon. Ok, maintenant, c'est nos serviteurs. Oh, j'ai la couronne, regarde, je suis ton roi. Non, je la rends pas. Eh, démon Gorgon, attaque-le. Fais-le fuir d'ici. Vas-y, fais-le fuir. Voilà. Allez, joue au chat et la chourie. Regarde, il est en train de les écouter. Oh, lui. Allez, plus vite. Voilà, au lieu de nous écouter, au lieu de nous attaquer, il est en train de nous écouter. Oh, je suis du flippette. Oh, Hugo, regarde, on a réussi. Je suis le roi. Fait. La 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 la. Oh, je suis devenu le roi, les amis. Regardez, je porte la couronne des démons Gorgon. Et maintenant, je contrôle... je contrôle pas tout le monde à l'envers, mais je contrôle uniquement les démons Gorgon. Okay. Faut fuir, hein, parce que le géant de mon envers, il va appeler les autres monstres et il va nous défoncer. Non, t'inquiète. Démon Gorgon. Ok, c'est notre serviteur, ok. Je sais pas s'il parle notre langue, mais a priori, là, je pense que non. Ok, en tout cas, il nous comprend. Tu nous comprends? Ouais, il nous comprend, regardez, il bouge la tête, ok. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait demander au démon Gorgon, Hugo? Comme premier truc. On aurait mis un gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat? Oh, regarde, il s'est même assis, on dirait un chien. Regarde, on dirait un beau toutou et tout. Il me porte dans ses bras, papa. Regarde, il me porte dans ses bras. Oh. Quoi? Ah, tu montes dans ses épaules? Ok, d'accord. Bon, bah, du coup, démon Gorgon, qu'est-ce qu'il pourrait nous aider? Il pourrait nous aider à faire quoi? Ça te dit qu'on le ramène dans le monde normal? Et qu'il devient. Ouais, mais il va pas survivre là-bas. Hein. Bah, en vrai, je pense qu'il aura que quelques heures, tu vois. Il peut survivre que quelques heures. Après, au bout d'un moment, il meurt. Tu vois, il a dit oui. Après, de toute façon, même s'il meurt, on s'en fout. Hein. Après tout, c'est un démon Gorgon. Vas-y, viens, on le ramène. D'ailleurs, t'as réussi à faire fuir le Zotina du monde à l'envers? Ok, il nous a fait oui. D'accord, ok, c'est parfait. Vas-y, viens. Bon, on va se barrer d'ici. Je pense qu'on va rentrer à la maison. Parce que c'est quand même très risqué de rester ici dans ce monde. Vas-y. Tiens, papa, je te donne la clé du coffre-fort. Ouais. Oh, regarde, il y a le... Oh, on prend le contrôle du Zotina du monde à l'envers aussi. Enfin, on prend le contrôle du démon Gorgon géant, non? Eh oh, je suis ton serviteur, enfin je suis ton roi. Mets-toi à genoux. Allez, mets-toi à genoux, là tout de suite. Ok, oh, il s'est mis à genoux, regarde. Allez, venez tous les deux, on va y aller dans le monde normal. Allez, venez. Ok. Et Hugo, est-ce que tu penses qu'ils seront aussi sous tes ordres? Essaye de leur demander... Bah non, ils m'ont pas. Ramenez-moi un gâteau. Ok, ils s'en foutent. Tuez-moi. Tu vois, ils s'en foutent. Vu que c'est moi qui porte la couronne, ils écoutent que moi. Bon, vas-y, viens. On va les ramener dans le monde normal. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ok, là, on vient d'arriver dans le monde normal. Donc là, je pense que j'ai une petite mission pour le géant. Toi, le géant, là.
Voilà, mon toutou. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire notre garde du corps maintenant. Tu seras notre garde du corps. En gros, tu vas rester ici et tu seras là à pas bouger. Genre, s'il y a quelqu'un qui arrive de méchant, tu le fais fuir, ok? Ok, du coup, là, je pense qu'il est en train de... il va faire un peu notre garde du corps. Et lui, qu'est-ce qu'on pourrait faire de lui? Hugo, t'as une idée? Je le tue, je le mange. Tu veux... Quoi? Tu veux manger du démon Gorgon? Ouais. Mais tu penses que c'est bon, ça? On s'en fiche. Attends, déjà on va lui demander, mais je pense qu'il va dire oui. Hey, toi, le démon Gorgon, on peut te tuer. Je suis ton roi, de toute façon, on peut te tuer. Je crois qu'il est triste. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, de toute façon, je suis son roi. Vas-y, bute-le. Voilà, bute-le. Vas-y, récupère la viande et on va aller manger ça. En plus, c'est un méchant, il a voulu nous tuer, je le connais. En plus, vas-y, regarde. Oh, regarde, il y a le géant. Oh, par contre, faudrait pas qu'il nous écrase. Attention. Hop. Bon, vas-y, on rentre à l'intérieur et on va goûter à ce démon Gorgon. Viens, on va plutôt se poser à la table. Ça sera largement mieux. Viens, on se pose à table et on va goûter. Vas-y, envoie-moi le démon Gorgon que t'as récupéré là. Hop. D'ailleurs, je peux enlever mon casque. Voilà, ça me sert à plus à rien. Hop. Ah, c'est trop bon. Ah, franchement, c'est pas du tout dégueulasse, hein. C'est pas dégueulasse en vrai. Hein. Moi je kifferais en remanger. Et toi, Hugo? On va dormir. Oui, j'en veux. Ouais. Bah, juste par contre, cette couronne, je vais pas la garder sur moi. Ça dit, on la dépose. Ah, je sais, je pense que je vais la déposer dans mon décor. Vas-y, viens. Papa, j'ai une idée. On la met à côté de la couronne des zombies. La couronne des zombies? Elle est où la couronne des zombies? Attends, je vais te la ramener. Oui. Bah en fait, je l'avais prise pour essayer d'essayer, mais il n'y a plus de zombies. Ah ouais. Attends, hop, je vais mettre la couronne juste ici, regarde. Là, il y a la couronne des démons Gorgons. Bah d'ailleurs, tu pourrais mettre une petite pancarte pour... Ouais, vas-y, mets une pancarte, tu marques couronne des démons Gorgons. Et à gauche, tu marques couronne des zombies. Voilà, tu mets... Là, tu mets couronne des démons Gorgons. Et juste à gauche, tu mets couronne des zombies. Et je pense que ça sera bon. Voilà. Tu sais écrire? Ouais. Couronne des Gorgons. Ok, il sait pas écrire. Bon, du coup les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications. N'hésitez pas à liker la vidéo si la vidéo vous a plu. Et si je vois qu'il y a 5000 pouces bleus sous cette vidéo, je recommencerai automatiquement une vidéo. Je deviens le roi des d'un autre mob. Peut-être des creepers ou je sais pas. On verra ça dans les prochaines vidéos. Et on se dit... Pikachu. Ouais, aussi, pourquoi pas. Et on se dit à demain à 10h30.